النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. Salam alaikum, bienvenue à tous et à toutes sur le plateau de votre émission Islam aujourd'hui. Nous avons la grande joie de recevoir la professeure Khadija Kchouk qui nous est venue de Strasbourg. Professeur Khadija, salam alaikum. Très bien, donc on avait promis à nos chers Zoumanotes hein, de développer ce sujet que vous avez déjà commencé, que vous avez entamé. Lors de notre dernière rencontre, qui consiste à parler en fait de la place des dialectes dans le monde arabe, et à savoir est-ce que les dialectes finalement nuisent ou pas à la langue arabe littéraire, qui est la langue du Coran. Donc on va essayer de développer ça sur nos deux prochaines émissions, puisque c'est un sujet qui est quand même très important. Donc on va essayer de voir aujourd'hui quelles sont donc les causes donc de la présence de ces dialectes et puis de cette fameuse nuisance hein, sur l'arabe littéraire. Et lors de notre prochaine émission, on parlera des signes finalement qui nous montrent bien qu'il y a une certaine volonté, hein, vous me corrigez si je me trompe, mais qu'il y a une volonté éventuellement malsaine de mettre en avant les dialectes pour faire disparaître la langue arabe littéraire du Coran. Quoi. Celle du Saint-Coran. Très bien, alors pour commencer, la première question. On va partir de loin. Hein. Est-ce que les dialectes ont effectivement nui à la langue arabe littéraire? Oui. Khair, inshallah, barakallahu fikoum pour cette invitation et pour cette opportunité de parler de la langue arabe et d'essayer de la défendre, de montrer ses avantages et d'attirer l'attention des musulmans sur l'importance de cette langue. Pour répondre à votre question, qui porte sur la relation entre les dialectes et la langue arabe pour savoir si ces dialectes peuvent nuire à l'expansion de la langue arabe, je répondrai wallahu a'lam que les dialectes effectivement peuvent nuire à l'utilisation de la langue arabe si l'on se met à les utiliser comme moyen littéraire d'expression écrite et surtout si on n'écrit plus en utilisant l'arabe littéraire. Donc c'est surtout dans l'écriture que ça peut porter préjudice. Dans l'écriture surtout. Il est connu que les dialectes ont toujours existé à côté de l'arabe littéraire et littéral, dans toutes les sociétés, pas seulement dans la société arabe, il y a toujours eu deux sortes de langages, en quelque sorte. Il y a les parlés, les dialectes, et il y a la langue noble, la langue de l'écriture. Et il y a toujours eu une grande divergence chez les peuples qui espèrent avoir une littérature d'un certain niveau esthétique, artistique et tout. Et donc, dans ces communautés, il y a une divergence entre la langue parlée de tous les jours et la langue noble dans laquelle on s'exprime pour parler de ses sentiments, pour écrire une pièce théâtrale, pour écrire un poème et autres. Cela s'est vu, comme je viens de le dire, dans toutes les sociétés. Rappelons par exemple, parlons par exemple du peuple anglais et remarquons que la langue de Shakespeare n'est pas celle du parler de tout le peuple britannique. La langue de Rousseau non plus n'est pas celle qu'utilisait autrefois le français dans les magasins, dans sa vie familiale. Et donc, les dialectes peuvent nuire à la langue arabe si on se met à les écrire, mais si on les pratique couramment, je ne pense pas que ça puisse nuire à l'expansion de l'arabe littéraire. Très bien. Donc les dialectes, hein, ils ont vu le jour
essentiellement à la fin de l'Empire ottoman, c'est bien ça? Non, les dialectes existent, ont toujours existé, mais Mais ils la forme étaient très écrite, très proches. éventuellement. Voilà, D'accord. leur forme écrite n'est pas, ne remonte pas à l'Empire ottoman. Mais ce qui remonte à l'Empire ottoman, c'est la déchéance qu'a connue la langue arabe. Pourquoi? Parce que dès la nuit des temps, si l'on peut dire, l'arabe était utilisé en tant que langue officielle. C'était la langue officielle de la dynastie Oumayyade, Abbaside et chez les autres dynasties. Mais avec l'Empire ottoman, les sultans ottomans se sont détournés de la langue arabe et ils ont imposé la langue turque en tant que langue officielle. Et donc, de là, les poètes, les prosateurs ont commencé à se détourner de cette langue qui ne porte pas ses fruits et ils ont commencé à écrire en langue turque. Bon, Et donc, on va y voilà. arriver justement Oui, peut-être bien plus sûr. tard avec un peu plus de détails. Mais alors, aujourd'hui, voilà, donc chaque pays, on va dire arabe, hein, a son dialecte, commence à écrire, on le verra, hein, avec plus de précision et des exemples, commence à écrire avec des langues dialectales. Et finalement, il y a comme des divisions entre les Arabes eux-mêmes, chacun a son dialecte, chacun a son pays, sa nation. Donc, quelque part, est-ce que tout ça n'a pas été imposé par des gens qui sont extérieurs pour mieux régner? On peut se poser la question, et c'est judicieux de remarquer, de faire cette remarque. Effectivement, donc on peut se douter de l'intention de ces gens qui ne font que propager les différents dialectes. C'est peut-être, ça va peut-être dans le sens qu'il faut diviser pour mieux régner. Et donc, mais la question qui serait intéressante à poser, c'est à ce niveau de notre discussion, c'est pourquoi une telle propagation de ces dialectes, et surtout pourquoi notre communauté musulmane accepte-t-elle un tel état des choses? Oui, c'est vrai. On peut expliquer quelles sont les raisons. Quelle est, selon vous, donc la première cause? La première La cause, première cause qui c'est fait que les gens ont sûrement, délaissé, voilà, délaissé, voilà, voilà, la langue arabe, et puis ça n'a voilà, pas l'air de s'arranger en plus, hein. voilà, non plus, c'est peut-être, ça ne fait peut-être qu'empirer, wallahu a'alam, Peut-être qu'Allah nous avec le printemps préserve, arabe, qu'Allah nous peut-être ça va préserve, changer. peut-être, Peut-être. inshallah, espérons, voilà. Et donc, la première cause de ce délaissement est peut-être, réside peut-être, sûrement, pas peut-être, résulte sûrement de notre faiblesse interne. Rappelons-nous du père de la sociologie, Ibn Khaldoun, le alim, comme on dit, le savant Ibn Khaldoun, Sociologue le sociologue, celui qui a commencé par être historien et qui a fini par être le père de la sociologie. Ibn Khaldoun a voulu écrire un livre d'une dizaine de volumes sur l'histoire du monde arabo-musulman. Et pour cela, il a entamé son projet en écrivant un premier volume qu'il a intitulé El Muqaddima, c'est-à-dire l'introduction. Et avec le temps, il s'est avéré que cette Muqaddima, cette introduction, s'est révélée beaucoup plus importante que tout le livre. Pourquoi? Parce que dans cette Muqaddima, Ibn Khaldoun a découvert la sociologie. Et donc, il a, parmi les signes, si l'on peut dire, parmi les règles qui régissent la société des humains, il a attiré l'attention sur une loi qui dit Al-marloubu moula'un abadan bil-iqtida'i bil-ghalib. C'est-à-dire que la personne vaincue est obsédée par le vainqueur. Donc, la personne qui se sent vaincue, elle va tout faire pour oublier son échec en quelque sorte, et elle va essayer de se projeter dans le vainqueur. Donc, elle va s'habiller comme lui, elle va parler sa propre langue, elle va penser comme lui, et ainsi de suite. Ça Et nous fait donc, penser à la colonisation quelque part un peu, exactement, hein. exactement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est notre faiblesse intérieure. C'est parce que on se sent vaincu qu'on veut se défaire de notre spécificité, de notre personnalité.
Et donc, on commence par délaisser notre propre langue et on va se mettre à parler la langue des autres. Voilà. Et la deuxième cause de ce délaissement, c'est de cet état de choses, réside dans notre ignorance. Il faut le reconnaître. Et ici, rappelons-nous de ce que nous avons vu dans notre première émission avec le verbe « iqra ». Parce que nous n'avons pas pratiqué cette obligation islamique. Donc de lire, de nous cultiver, voilà, d'acquérir la connaissance de façon générale. Donc on est resté des ignorants. Et bon, avec tout le respect que j'ai pour notre élite. C'est-à-dire qu'on passe par une phase d'ignorance. Voilà. Donc, il y a eu des phases hein, où on touchait en tant que musulman, on touchait le haut. Voilà, il faut le reconnaître. Et les dernières statistiques qui ont été faites par le congrès islamique tenu à Islamabad en mai 1983 vont dans ce sens. Ces statistiques affirment que seulement 45 000 musulmans s'investissent dans la recherche scientifique, tandis que 1,5 million s'en occupent à l'ancien État soviétique. C'est-à-dire que dans l'ancien État soviétique, il y en avait 1,5 million de personnes qui s'intéressaient à la recherche scientifique. Alors qu'il y en a 45 000 musulmans dans le monde musulman, c'est ça? Exactement. Et il y a également 400, ces statistiques révèlent qu'il y a 400 000 personnes qui s'y intéressent au Japon et qu'en Israël, il y a 35 000 qui s'investissent dans la recherche scientifique. Malgré la faible densité de la population d'Israël par rapport à la densité de la population arabe en général. Et donc, ceci reflète bien que on a délaissé ce verbe de iqra. Et donc, ça nous a conduit à une certaine ignorance et les choses ne vont, je ne veux pas être pessimiste, mais les choses ne vont pas en s'améliorant. Wallahu a'lam. À quoi s'occupe, donc où est la communauté, entre guillemets, enfin musulmane, où sont... finalement, c'est quoi les centres d'intérêt des musulmans, puisqu'on les retrouve pas majoritairement comme c'était éventuellement en Andalousie, vous me dites, on les trouve pas donc dans les domaines scientifiques, c'est malheureux, dommage, bon, bien qu'il y ait des grands scientifiques musulmans, bien entendu. Alors, il y avait. Voilà, autrefois. Oui. plus rarement aujourd'hui, mais c'est quoi le grand centre d'intérêt? Oui, c'est là la question. C'est là même une très bonne question, et puisque nous pouvons suggérer un semblant de réponse en relevant un fait assez parlant, un fait assez pertinent. Quel est ce fait? C'est que le nombre de ventes d'un livre de recettes de cuisine que je nommerai pas ici. Vous avez le droit de le nommer ici. Voilà. Donc je ne veux pas lui faire de la publicité. Bon. Donc ce livre de cuisine a atteint le livre de vente de ce livre a atteint 50 000 exemplaires dans la foire du livre du Liban pendant l'occupation américaine de l'Irak. Et puis, ce même livre a été réédité en plusieurs milliers d'exemplaires, bien que son prix soit vraiment exorbitant. Et donc, celui qui a rapporté ce fait-là, qualifier tous les gens qui ont visité cette foire de personnes ignorantes, et toutes les familles sortaient avec ce livre faramineux, volumineux, et donc ils laissaient les livres intéressants et ils s'intéressaient aux livres de recettes de cuisine. Est-ce qu'il y a une explication à ça, ou c'est un phénomène c'est de l'ignorance, c'est un laxisme, c'est... Enfin, pour info, que même voilà, dans les... Et on n'est pas, et disons le mot, nos gouvernements ne sont pas en train d'essayer de nous prendre conscience de cet état de choses, loin de là, illa man rahimallah, comme on dit, c'est nos gouvernements ne s'investissent pas assez dans la recherche scientifique, dans l'enseignement, dans les universités. Un petit fait à relever, que les budgets de nos gouvernements arabes, voilà, arabes, ne dépassent pas le 1%.
du budget total de leur nation. Un pourcent dédié à la culture. Voilà, à la culture, à la connaissance, à la recherche scientifique. Tandis que dans les pays industrialisés, il atteint les 6%. Et donc là, nous voyons qu'il y a une grande différence entre l'intérêt que portent ces différents États. Il y a celui qui porte et il y a celui qui suit, quoi. Voilà. Finalement, le monde arabe est encore dans cette phase où il suit. Très bien. Donc là, on a parlé des causes. Oui. Des causes, des causes qui ont fait que les dialectes ont pris beaucoup d'importance et plus d'importance que la langue arabe. Parlons maintenant des signes. Oui. Selon vous, quel est le premier signe très indicatif nous montrant donc cet éloignement des musulmans de l'arabe littéraire? Donc les signes, le premier signe, il y a surtout le fait de décrire les dialectes. C'est là un signe très très grave à mon avis. Le fait de commencer de ne plus écrire l'arabe littéraire, mais d'écrire les dialectes à tort et à travers. Et donc cela veut dire que on essaye de d'ériger les dialectes au niveau de la langue arabe littéraire et littérale, et même qu'on essaye de leur accorder plus d'avantages que la langue du Saint-Coran. Ces signes, parmi ces signes, il y a certains faits très révélateurs. Le premier, par exemple, commence par nous le trouvons dans le fait que certaines communautés ont opté, bon gré mal gré, au délaissement de la langue arabe, et donc ils se sont détournés de la langue arabe, tel a fait Kemal Atatürk, tout le monde le connaît cela, en 1928 en Turquie. Oui, Kemal Atatürk donc a obligé la communauté musulmane turque à se détourner de la langue arabe. Il a échangé les lettres écrites en arabe par des lettres latines, et il paraît qu'il semblerait que, d'après l'historien Docteur Mohamed Hussein, dans son ouvrage Al-Itijahat al-Wataniya, il semblerait même que Kemal Atatürk a obligé les musulmans à faire la prière, non pas en récitant le Coran, mais en récitant un semblant de traduction du texte coranique en langue turque. Et comme nous l'avons vu, la traduction est toujours une trahison, et la traduction, c'est un texte humain. La traduction du texte coranique n'a rien à voir avec le texte coranique lui-même. D'ailleurs, nos chers oumanautes peuvent revenir à la première émission qu'on a faite ensemble, donc sur cette relation entre la langue arabe et le Coran, par rapport au sujet de la traduction. Donc, tout d'abord, il y a le problème avec Kemal Atatürk. Avec Kemal, puis il a été suivi. Kemal Atatürk, il a montré l'exemple. Il a montré l'exemple. Voilà, nous trouvons en Afrique du Nord, les Berbères, les Téchalhites, se mettent à échanger leurs lettres arabes en lettres latines. Nous trouvons en Afrique de l'Ouest, en Éthiopie, chez les Harari, les tribus Harari, chez les Mandinikiya, chez les Fulani, chez les Swahili, chez les Wolofiya. C'est des noms de tribus, hein? C'est des noms de tribus. Et c'est des noms de langues, de dialectes africains qui s'écrivaient autrefois avec les lettres arabes. Maintenant, elles ne s'écrivent plus avec ces lettres. Il y a d'autres, je peux citer d'autres dialectes également, qui ont échangé les lettres arabes par les lettres latines. Ceci en Afrique du Nord. En Europe aussi, aux Balkans, en Albanie, en Bosnie. L'écriture arabe n'apparaît plus depuis presque maintenant 2 siècles. En Asie également, aux Philippines, en Indonésie, chez les Pachkiria, chez les Tchétchènes et autres, la langue arabe n'apparaît plus non plus, puisque toutes ces lettres ont été échangées par les lettres latines. C'est clair qu'aujourd'hui, si on dit qu'il y avait des mots arabes dans ces quelques régions que vous citez, on est un peu, comment dire, un peu étonné. Oui, étonné, tellement qu'on a pris l'habitude de voir l'arabe restreint et limité dans une petite frontière. Voilà. Et c'est vrai qu'on dit en Albanie, le Balkan, il y avait de la langue arabe, en Grèce aussi. Oui, c'est comme si on dit qu'il y a eu... C'est une découverte.
C'est comme s'il y a eu, voilà, c'est comme si, quand on dit, vous me corrigez, ouais, il y a eu 8 siècles d'islam en Espagne. Voilà, c'est... Et après, c'est parti d'un... C'est parti, peut-être pas d'un coup, mais bon, progressivement, mais sûrement très bien. Donc, je vous coupais, excusez-moi, je vous laisse reprendre. Donc, il y a eu, donc, voilà, remplacement, comme vous disiez, de la langue écrite arabe avec des lettres latines. Oui. Donc, si vous pouvez d'ailleurs développer peut-être ça, parce que je crois qu'on trouve ça d'ailleurs un peu plus maintenant, même à travers des romans, je crois, oui, en Égypte. Oui, tout à fait, oui. Et là, elles sont écrites non pas en lettres latines, mais en dialecte. Ah, c'est incroyable. Donc, en dialecte, et donc peut-être on peut faire un petit saut historique pour rappeler les premières personnes qui ont poussé les Arabes à se détourner de la langue arabe littérale. À ma connaissance, il s'agit de l'orientaliste allemand du nom de Wilhelm Seybert, qui en 1880, il occupait le poste de directeur de Dar al-Kutub al-Masriya, directeur donc en Égypte, et il s'est engagé personnellement à écrire et à divulguer des romans écrits en dialecte égyptien. C'est lui qui les écrivait, il les éditait, il les vendait à perte. Donc, à perte, exactement. Donc, et pourquoi? Pour essayer de faire face à l'arabe littéral. Donc, il y a vraiment une motivation idéologique. Une motivation très engagée. Et donc, au lieu de gagner de l'argent, il écrivait les romans et il perdait de l'argent en divulguant ses romans écrits en dialecte égyptien. Il est même à l'appui, la deuxième étape franchie par ce Seybert consistait à écrire un ouvrage qui érigeait et qui définissait les qawaid al-lugha al-ammiya, c'est-à-dire les règles du dialecte égyptien. Et pour donner une certaine importance au dialecte égyptien. Puis cette idée a été reprise au début de 1900 par la revue Al-Muqtataf. Et Al-Muqtataf a largement divulgué cette idée à travers ses articles. Après, elle a été reprise par un autre orientaliste qui occupait le poste de juge. Celui-ci était d'origine anglaise et du nom de Salmon Wilmore. Et celui-ci, il a apporté une nouvelle idée. Il a conseillé aux Arabes de ne plus apprendre la langue arabe, ni au primaire, ni au secondaire, encore moins aux écoles maternelles. C'est en Égypte, mais il voulait que l'on ramène l'enseignement de la langue arabe à la faculté et qu'on la traite tout comme les langues mortes, comme l'acadien. Donc, c'est à partir de 25 ans qu'on devrait, d'après cet orientaliste, commencer à apprendre la langue arabe, puisque pour lui, c'est une langue morte. Elle rappelle un temps révolu et il faut dépasser cette idée. En 1913, il y a eu d'autres personnes qui ont continué à porter ce flambeau, si l'on peut dire. Parmi ces noms, on peut citer Ahmed Lotfi Assayed, qui lui, il a écrit une série de 7 articles dans le journal Al-Jarid, et dans lequel, lui, il prêchait la divulgation du dialecte égyptien, bien entendu, en opposition à l'arabe littéral. D'accord, très bien. Donc là, voilà. Je veux dire, il y a un gros travail qui va surtout débuter éventuellement, on pourrait dire, au début du XXe siècle. Oui. Très bien, donc merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont vraiment très très riches. Donc on voit bien qu'il y a eu une poussée, une recherche très poussée. Puis j'espère d'ailleurs que cette étude que vous avez faite ce dernier mois sur le sujet des dialectes sera publiée. Alors bien entendu, on aura l'occasion de se revoir pour détailler ce sujet davantage, parce que là on a parlé du premier signe, quand même assez évident, où il y a une volonté de mettre en avant le dialecte par écrit. Et donc j'ai une copie de votre étude qui est vraiment très intéressante. Et là, vous parlez d'un deuxième signe, puis d'un troisième, puis d'un quatrième. Donc on consacrera notre prochaine émission sur ce thème
qui est fortement intéressant puisque ça nous permet, et puis ça De permet prendre aux conscience. musulmans issus de l'immigration Ouais, aussi hein, de ouais. prendre conscience d'où qu'ils viennent, Ouais. quels sont ces fameux dialectes et quelle est la différence entre les dialectes et la langue arabe littéraire. En tout cas, merci beaucoup, professeur Khadija, pour votre venue et à très bientôt. Salam alaikum. Chers Roumanoutes, salam alaikum wa rahmatullah. صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله